Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Est-ce que tout est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout est good? Je suis en train de lancer Rocket League ce soir. Il y a du FIFA avec les man. Ça va être cool. Du Valo. Comment ça du Valo? Attends, j'ai bien mis Rocket League en jeu. J'ai dit Rocket League. J'ai dit ouais. T'attends quoi? Pourquoi on parle de Valo là? 6 hours later. J'espère que vous avez passé quand même un bon moment. Que vous avez rigolé, c'est le principal. Et puis bah moi je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dirai demain. J'espère que personne m'écoute actuellement et passe son bac demain. Sinon c'est pas du tout sérieux les gars. Tous ceux qui passent le bac de philo ou de français. Et puis bah GL. Une fois que ce sera passé. Vous serez bien. Si, mais oui, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Tu dois pas être sur des lives. C'est pas bien ça, les gars. Mais JL pour demain, les gars, et puis vous me raconterez. C'est un JL aussi. Si PTDR, JL Ryuk. C'est pas sérieux les JL là. Mais bon, c'est à 14h, man. Oui, mais c'est à 14h. Tu vois, faut que tu sois dans le mood, faut que tu sois dans. Tu vois ce que je veux dire? Après, je peux pas te faire la morale parce que moi-même, j'ai pas passé mon bac, machin, tout ça, donc je peux pas te faire la morale. Et je te dirai pas ce que j'ai fait, c'est bien, tu vois. Aujourd'hui, je regrette pas, c'est cool, ma vie est trop bien, machin, etc. Mais non, c'est important. Ouais, mais t'inquiète, on gère. J'adore parce que tout vraiment, je passe sur un regard dans le chat à chaque fois qu'un mec d'ici. À part 2-3 là, à chaque fois JL, vous abusez. Allez, JL, arrêtez. Quand est-ce que tu peux remettre les rediffs pour tout le monde? Dans l'immédiat, non, je peux pas. Je sais pas pendant combien de temps. En fait, faut juste qu'un strike saute. Et dès qu'un strike sautera, on pourra. Mais là, actuellement, tu vois, je te montre, ça a pas changé, ça a pas bougé. Oh shit, oh shit. Mais dites-vous que par exemple, là, imaginons, tu vois, la musique qu'on entend en fond, genre par exemple celle-ci. Si cette musique est copyright ou devient copyright dans 3 ans, parce que là actuellement elle est no copyright, bah le truc c'est que si dans 2 ans elle devient copyright et que je suis pas en Sabonly, bah je pourrais me prendre le 3e avertissement. Et c'est ça qui peut être terrible. C'est pour ça que Twitch, je vais pas dire ordonner, mais a clairement demandé de juste au moins pour que le bot, parce que sinon c'est chiant, ça passe par légal, etc. Et ça serait chiant qu'on soit ban quand même. Tu le copierais toi? Bah non, je vais pas mettre des droits sur des choses qui m'appartiennent pas. C'est par exemple un DJ qui va faire le son et qui va mettre Fritouz, tu vois. Oh, c'est un travail de malade, rechecker le. Et oui, c'est pour ça. Et celles qui sont risquées, en fait, elles sont délaites. C'est pour ça que vous avez pas les rediffs, par exemple, de la soirée man, vous avez pas les rediffs de machin, etc. Parce qu'il y a des petits trucs, des fois, c'est juste des sons de son de bord, hein. Peut-être pas le oh my god. Mais tu vois, genre, si tu mets un truc un peu plus long, tu vois, je sais pas, une phrase de Jojo, où t'entends la musique en fond, un passage qui dure un peu plus longtemps, 30 secondes, tu vois. Imagine le live qu'on a fait avec Squeezie, où tu sais, on faisait armé contre armée, où il y avait des Naruto dans toutes les sons de bord de tout le monde et t'entendais la musique de Naruto pendant très longtemps. Bah ça, tu vois, par exemple, c'est un truc, il faut être sûr que ça soit supprimé parce que ça, sinon tu peux te faire striker. Mais je pense qu'on va voir, on va essayer de se renseigner pour peut-être acheter des musiques. Quelqu'un, tu sais, que je connais quand même un minimum bien, tu vois, par exemple Toxic Avenger qui a fait des sons pour, par exemple, pour Elsa. Il y en a d'autres, bien entendu. Mais par exemple, tu vois, bah lui acheter des sons, etc. Ou lui demander d'utiliser tel ou tel son. Tu peux écouter la musique juste dans ton casque sans la mettre sur le live. Tu peux, mais en plus, la musique, souvent, tu la mets plus pour le live que pour toi. Moi de base, je suis quelqu'un, genre, si je vais tryhard, tu vois, je vais pas parler pendant un petit moment. Et du coup, en fait, ça reste une espèce de fil ambiant qui continue, tu vois. Ça met un petit fond et puis même ça cache les sons un peu misère. Genre, si je mets rien, tu peux brièvement entendre les sons autour de moi, le son du bureau, de l'ordi qui souffle ou du frigo, etc. Le son camoufle aussi ça. Donc en fait, c'est plein de trucs comme ça qui font que t'as envie de mettre quand même une playlist qui tourne. Avant, tu disais que les streamers qui mettaient les rediffs en Sabonly par rapport à un sec, c'était des mythos, mais du coup, là, quand tu mets en Sabonly, t'es. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il y en a certains, ils sont même pas strike, ils passent en Sabonly et te disent que c'est parce que c'est pour les musiques. Et c'est pas vrai. Le bot de Twitch, que tu sois en Sabonly ou non, il te verra. Il y en a beaucoup qui utilisent cette excuse principalement alors qu'ils veulent juste passer les rediffs en Sabonly, tu vois. Après, c'est pas un jugement, tu vois. Les passes en Sabonly, c'est normal, tu vois. Au final, c'est un travail que tu fais, etc. Ça a jamais été une reproche de dire que certains faisait ça. Mais en gros, il y a deux bots. Il y a le bot de Twitch qui lui repère toutes les musiques qui sont susceptibles justement d'être copyright. Et si c'est pas trop dangereux dans les rediffs, juste mute le son, tu vois, juste la bande rouge. Si c'est vraiment plus que ça, tu prends un avertissement ou un strike. Ensuite, il y a un autre bot, et là c'est de plus en plus courant. C'est les bots que bah, par exemple un Universal Music va prendre. Son but c'est d'aller sur toutes les rediffs des chaînes Twitch existantes. Ça se fait par salve. Des fois, tu vois plein de streamers qui se font strike en même temps parce que bah ils ont envoyé leurs bots, etc., qui ont checké toutes les rediffs. Et forcément, pour un Universal, pourtant colossal, hein, qui a beaucoup de thunes, il va pas payer un sub pour aller checker toutes les rediffs de tout le monde. T'imagines 1000 streamers payer 5€ à chaque fois, etc. Enfin, même 1000 streamers, mais c'est 100 000 streamers même. Genre, il y en a tellement qu'un studio ne peut pas se permettre de faire ça. Et c'est pour ça que tu mets en Sabonly pour éviter ce bot là. Et souvent, tu le fais justement quand t'as 2 strikes. Et c'est souvent Twitch qui te le conseille. Par exemple, Akakor qui te dit qu'il passe en Sabonly principalement pour ça, bah tu les crois. Alors après, il y a d'autres trucs. Il y a le fait qu'ils développent des trucs pour leur site, des mini-jeux, etc. Le fait que tu sois sub, t'as cet avantage là, etc. Le fait que tu soutiennes le projet, qu'avec la Carmine Corp maintenant, il y a des dépenses. Donc forcément, voilà. Et eux, ils sont aussi à 2 strikes, tu vois. Donc c'est même Twitch qui a dû leur demander de passer en Sabonly. Parce que même pour les affaires de Twitch, c'est pas intéressant pour eux qu'un gros streamer comme Kamel se fasse ban, tu vois. Les best-of monétisé avec toutes les musiques copyright dessus. Ah non, zéro. Mais on n'a jamais reçu de strike. Si tu vois des pubs au début des best-of, ça va à ceux qui font les sons. Donc du coup, ils strike pas parce que bah tant mieux pour eux, tu vois, ils gagnent de l'argent. Mais en fait, ce qui est relou avec ça, c'est qu'il n'y a pas de mise en avant après. C'est un algorithme un peu bizarre, par exemple, sur YouTube. Quand tu sors une vidéo et par exemple que tu ne peux pas la monétiser, bah par exemple, ils vont l'envoyer à moins de personnes qui sont sub. Donc c'est un peu chiant, par exemple, pour les best-of parce que c'est du bon contenu, tu vois. Et du coup, le fait que ça rentre pas dans certaines boxes de notifications, etc. Et du coup, bah ça impacte le nombre de vues, le machin, etc. C'est un peu relou, mais tant pis, tu fais avec. Ceux qui attendent ça avec impatience et qui vont naturellement check, je sais pas là s'il y en a présent sur le chat, mais je sais qu'il y en a plein. Qu'ils bah, ont pas les notifs, etc., malgré qu'ils aient la cloche, etc. Et c'est parce que justement, des fois, quand il y a trop de musique copyright, etc., bah YouTube ne met pas la mise en avant volontairement, justement, pour qu'il y ait encore moins de risques que des Universal, Bidule Chouette, etc.
viennent me casser les couilles plus tard à YouTube. En plus, le truc, c'est que je crois que tous les contenus que je sors, à part peut-être les rediffs d'émissions, c'est du contenu full copyright. Moi, je comprends pas utiliser les musiques pendant les streams, c'est la meilleure plus possible. Ouais, mais tu sais, des fois, tu veux pas forcément même ton contenu, tu veux que les gens aillent le voir. En fait, je comprends d'un côté, tu vois, c'est comme bah, beaucoup de streamers, beaucoup de youtubeurs, tu vois, se plaignent des fois quand tu vois, il y a les top clips de la semaine de Twitch, etc., et que t'apparaît dedans, que c'est cut différemment, ça sort hors contexte. Des fois, il y a un mec qui va mettre Gotaga insulte ses viewers, et il prend un moment où je dis à un mec Rocket League qu'il est pas la bienvenue, par exemple, bah, tu passes pour un gros connard pour YouTube, c'est pas un truc de ton image que tu voudrais clipper spécifiquement dans un best-of machin, il le prend sans ton consentement. En soi, c'est pas une bonne pub. Et imagine, t'es un streamer mais qui fait de la merde, full bad buzz, tu fais des trucs de merde, tout le monde parle de toi en mal, etc. Et tu écoutes du son, je sais pas, de Damso, tu vois. Damso, il est en mode, bah non, je veux pas être affilié à cette personne, c'est pas une bonne pub pour lui non plus, tu vois. Mais justement, comment on peut être ciselé sur le copyright musique et laisser passer des vidéos de... Bah parce que c'est pas encore au même stade, je pense que ça va évoluer un peu pareil au fur et à mesure. Ça l'est pour la télé, actuellement, par exemple, tu reprends des morceaux de télé, c'est pas du son, si celui qui produit ça tombe dessus, il peut te strike parce que tu utilises son contenu, tu vois. Là, actuellement, je veux faire une vidéo et je prends des trucs de TPMP, je me fais strike ma mère. Et je pense que pour le stream, c'est au fur et à mesure, mais sauf que ce côté image, ta personne, en fait, encore aujourd'hui, c'est un peu ambigu sur le fait que ça t'appartient ou non, tu vois. Et du coup, c'est un peu compliqué. Et ouais, un mec qui veut faire full, bah tu vois, par exemple, tu vois Big Flo, tu vois le bad buzz à un moment qu'il a eu parce qu'il y a un mec qui s'amusait à faire un montage de lui, je sais pas, il faisait des streams à 5000 viewers, full second degré, où dès que quelqu'un lui faisait une petite critique, il disait, ah les modos, bannez-moi ça, inadmissible, ban. Je veux savoir ce que vous foutez, les modos, bannez-moi tous ces connards là, vous me les bannez. Lui qui a dit, joue ta mère, je veux que vous me le dégagiez là. Tu vois, c'était un délire machin, sauf que le mec a monté ça de manière à ce que ça soit très premier degré alors que c'est pas du tout le cas, et il s'était fait un giga bad buzz. Il y a des trucs de news qui ont repris le truc en mode Big Flo, comment il est quand il est en live avec sa communauté qui pourtant le soutient machin, et t'es en mode mais non, tu vois, Big Flo il peut rien faire quoi. Alors que c'est son live, c'est son contenu, c'est son image, il s'est fait full trash pendant un moment à cause de ça quoi. On prend en vidéo forcément, c'est pas représentatif dans la... Oui, mais après tu tournes ça comme tu veux, c'est un peu comme les médias. Sorti du contexte en fait, tu tournes ça vraiment comme tu veux, tu vois. Là je t'assure, hein, tu peux faire passer n'importe quel streamer comme le plus gros cancer qui existe en faisant un montage de soit les moments où il rage, soit les moments où il est full second degré, mais du coup il a un bon jeu d'acteur. Mais si tu quittes au montage les gens qui étaient pas présents sur le live, ils peuvent passer vraiment pour le roi des bâtards. Tu peux vraiment faire ça avec n'importe quel streamer. Si tu fais ban de Twitch, tu fais quoi, Gotha? Je sais pas, on verra. Hein. On s'adaptera. Ce serait un peu un ban nul, mais je pense si je me fais ban, je pense sans prétention, etc., qu'il y aurait moyen de faire un truc genre faire appel ou un truc comme ça, tu vois. On est quand même assez gros, entre guillemets. Mais même au pire des cas, ça m'enlèverait un strike et je serais toujours sur la sellette en mode j'en ai deux, quoi. Ça se trouve, je devrais refaire une chaîne, perdre 3 millions de followers. Tant pis. Ça se trouve, non, c'est pas possible et bah je continuerai à stream, mais sur une autre plateforme, quoi. Comment t'expliques avec ces histoires de contenu privé qu'il y a autant de best-of sur des chaînes YouTube, Twitch, etc.? Bah parce que. T'es pas là à chercher la moindre bébête quoi. En vrai, je pense que les best-of, si vraiment tu voulais et pas que ton image apparaisse, tu pourrais strike. Moi, je sais qu'à un moment, j'ai eu un drama, un mini-drama qui a duré peut-être une semaine. Il y avait un mec qui reprenait toutes nos rediffs. C'est limite si la chaîne s'appelait pas Gotaga TV, tu vois. On avait déjà la chaîne secondaire, on uploadait assez souvent, etc. Il prenait toutes les rediffs. Il les mettait sur une chaîne et bah ce mec-là, au bout d'un moment, on lui a demandé d'arrêter, il a pas arrêté. Du coup, on a fait les demandes de strike, etc. Il s'est fait striker. Mais vraiment, il prenait toutes les rediffs, les gars. Pas que de moi, hein. Principalement Squeezie, les miennes et... Il y avait un troisième, j'ai plus le nom. Du coup, je vais vous raconter la suite. En gros, il a fait un gros truc longueur où il dit « Bonjour, aujourd'hui, c'est dramatique, j'en suis à mon deuxième strike. Je ne peux plus mettre mes vidéos en privé. Si je m'en prends un troisième, je me ferai bannir de YouTube. Alors que j'ai pris une année sabbatique pour tout faire là-dessus, etc. Où j'ai tout misé là-dessus, je commençais à gagner un peu ma vie, etc. Mais voilà, aujourd'hui, je vous dis les termes. En gros, je te résume, hein, c'est pas exactement comme ça que c'était écrit, mais brièvement, c'était ça. Suis-je objectif, je sais pas, peut-être que j'amplifie les propos. C'est en mode « Monsieur Gotaga qui ne veut pas qu'on utilise son image va détruire ma vie, etc. etc. » Après moi j'ai répondu, tu vois, j'étais en mode mais mec tu prends juste toutes nos rediffs, tu vois. J'étais en mode mais je suis gentil dans l'histoire. Il y avait des viewers, enfin des gens sur Twitter qui prenaient sa défense, tu sais, qui citaient les tweets et tout, et qui étaient en mode non mais moi c'est trop bien par exemple, quand je suis au travail, etc. Je peux pas suivre les trucs. Et au moins là il y a le contenu est tout le temps là, t'as tout le temps les rediffs, t'as tout le temps les machins, t'as tout le temps les trucs. T'es en mode mais frère, c'est à moi, c'est mon image, c'est mon truc. On ressort tout le contenu, que ce soit sur la chaîne secondaire ou sur la chaîne principale en condense, etc. Et ouais, il y en avait genre peut-être une dizaine qui a pris sa défense, etc. J'étais le grand méchant de l'histoire et je comprenais pas, tu vois. C'était pas un créateur de contenu. C'était un voleur de contenu. Mais pourquoi tu fais pas ton propre truc ou machin, tu vois? Parce que moi ça empiète sur mon business, etc. J'ai des trucs à faire tourner, j'ai des machins, tu vois. Quand toi, genre tu fais un master kill le lundi, tu l'uploades peut-être le vendredi. En général on lui sortait le lundi, mais on va les upload plus tôt parce que c'est la demande des gens, surtout depuis que c'est passé en subvenir. Et bah que lui, le lendemain, il remet toute la rediff, bah ouais c'est chiant. Parce que même toi, du coup, c'est l'un des rares contenus où tu peux gagner un peu d'argent sur YouTube. Bah par exemple les best of de Rémi, c'était musique full copyright de manga, des musiques même, etc. etc. Donc du coup forcément tout full copyright. Du coup les seules fois où tu pouvais gagner de l'argent via YouTube, c'était via les rediffs d'émissions. Parce que du coup là on mettait pas quelque chose de copyright. Et du coup, bah ouais, il y avait ce côté où bah, j'étais le méchant de l'histoire et je comprenais pas quoi. Parce que bah, un mec qui upload le lendemain sur la chaîne YouTube, Master Kill machin avec tel, sur la vidéo, il y avait peut-être 600 000 vues, tu vois. 600 000 vues sur 2-3 jours. Mais du coup, c'est 600 000 vues que toi, tu n'auras pas sur ta chaîne à toi, tu vois.
de ce que je veux dire. Et surtout que toi, tu veux le tourner à ta sauce, tu fais un bon condensé cool, l'émission elle dure peut-être 3-4 heures, tu fais un bon condensé de 40 minutes. Après, effectivement, il y a des gens qui préfèrent, justement, c'était des arguments de certaines personnes qui prenaient sa défense en mode moi je préfère avoir la full rediff qu'avoir un truc condensé. Et ça peut se comprendre, hein. Il y en a qui préfèrent avoir tout le truc entièrement. Et puis j'étais en mode mais au pire des cas, si vous voulez voir entièrement, c'est gratuit sur ma chaîne Twitch, tout est disponible, tout est machin, etc. Mais c'était pas la seule, hein. il y avait une autre personne aussi avec ce problème, et puis bah là, il y a des best of Twitch qui passent, etc. Et je pense que la plupart des gens, tu vois, tu t'en fous. Et c'est vrai qu'effectivement, tu regardes souvent des clips où tu passes, vu que c'est des titres à guicheurs et des trucs pour faire buzzer, bah généralement ce sera pas la meilleure image de toi, tu vois. En général, ça sera en mode par exemple, je sais pas, je vais donner mon avis là maintenant sur Sardoche, je suis sûr que ça passe dans les best of clips demain de Twitter. Enfin de Twitter, de les best of Twitch machin. Et ça sera Gotaga Clash Sardoche. Donc en fait dans les commentaires, t'auras soit des gens qui seront en mode oh trop bien, il dit les vrais termes sur Sardoche, ou au contraire des gens qui vont t'insulter ta mère. Toi tu donnais juste ton avis à des gens qui te suivent, qui sont pas hors contexte. Il y avait un vrai débat avec des gens en direct sur ton live, c'était intéressant, mais sorti du contexte quand ça vient sur YouTube, et sur tout le monde, hein, pas que moi. Quand certains disent ça te fait de la pub, non, parce qu'en général c'est pas forcément des moments. Donc quoi, il y a des moments tu vas faire une quad feed sur Call of Duty, elle va passer dedans. Ouais, en termes d'image c'est cool, tu vois. Non, par exemple, tu vois un truc où effectivement je suis d'accord quand les gens disent que c'est de la pub. Vraiment, quand tu passes dans le rewind de Twitch, ouais, là tu peux dire c'est de la pub, surtout qu'ils essaient de mettre de plus en avant, je trouve, des plus petits streamers, etc. Et en général, tu vois, ils vont pas essayer de faire du truc drama putaclic, tu vois. Donc ils vont essayer vraiment de chercher des clips justement, des trucs à thème, etc. Ça donne plutôt l'actu de ce qui s'est passé la semaine sur Twitch, et c'est plutôt sympa. Pour le coup, tu vois, ça fait de la pub pour les streamers, je pense. Après, c'est pas parce qu'un mec fait 4 kills que je vais aller sur son live, je sais pas, c'est bizarre, tu vas dire oh là là, il est fort. Bah non, mais ça se trouve, c'est des streamers que tu connais pas, tu vois. Par exemple, tu vois, Show H1, il est pas très YouTube. Je pense qu'il doit avoir une chaîne YouTube où il remet des gameplays, etc. Tu vas avoir un best-of de base parce que t'as vu dans le titre Gotaga Clash Sardoche. Tu connais Gotaga, tu connais Sardoche, et tu te dis ok, j'y vais. T'arrives, hop, tu regardes le clip et tu continues à regarder le best-of, et là tu vois Show qui fait une action de dingue incroyable. T'es un joueur Warzone, donc t'aimes bien ça. Tu vas peut-être taper son nom après sur YouTube, tu vois qu'il est souvent en live, hop, tu checks son live et hop, tu deviens un mec qui suit activement Show. Pas tout le monde, mais je pense qu'il y a ce côté, non, effectivement, ça peut faire une pub. Best-of 100 attendu avec impatience, mais ils veulent même pas montrer. D'ailleurs, je suis arrivé au loco, il y avait Alex qui parlait d'un nouveau méchant, etc. J'arrive vite fait, tu vois, je check vite fait derrière son écran, il a tout fermé. Je sais pas pourquoi il garde tout secret, j'espère que ça va être bien. Si c'est éclaté, je vais lui en vouloir. Je pense que ça sera bien, mais il veut rien dire sur le best-of 100, c'est terrible. Ah, il bosse dessus déjà depuis un mois, je crois. En fait, il continue à faire les best-of et en même temps, en fait, il travaille sur le best-of en même temps. Je suis en mode, les gars, comment vous allez faire? Du coup, au moment où il y aura le 100, ne seront plus d'actualité, donc vous allez sortir des vieux clics. Il m'a dit non, t'inquiète. Donc je suis en mode, ok, bon, on verra. Mais il me montrera rien. Genre, il va me montrer la veille. Alors voici le best-of 100, parce que oui, il sait très bien que je veux quand même checker, tu vois, pour être sûr. Et du coup, j'aurai la surprise la veille, quoi. Ouais, c'est ça. Les best-of sont vraiment bons, mais des fois, il y a des clips sur des jeux auxquels tu ne joues plus depuis plusieurs semaines, genre FIFA ou Warzone, seul bémol, mais il y a R. Mais en fait, c'est que entre les best-of, le moment où One les faisait, d'ailleurs, One boss sur le sentier, bah, en fait, il y a pas eu de best-of pendant genre 4 mois, 5 mois. Et en fait, du coup, il y a plein de clips qui se sont accumulés. Et tu sais, il y a ce côté où tu veux pas les perdre. Et en plus, bah, sur GDoc, t'as masse clip, etc. Et du coup, bah, les monteurs piochent dedans. Il y a aussi ce côté où des fois, bah, par exemple, tu vois, là, ça fait un mois que je stream beaucoup moins qu'au préalable. Et du coup, bah, vu que tu sors quand même un best-of toutes les semaines, bah, des fois, bah, vu que t'as pas stream de la semaine. Tu vois, t'es en mode. Et c'est pas des actions Rocket League. Et encore, là, je suis sûr, je dis ça. Dans le 99, 100%, il y a full Rocket League. Et ça va être terrible. Je vais faire un full trash dans les commentaires. Comme d'hab, quand tu mets du Rocket League sur YouTube, de toute façon, et que t'as un niveau qui n'est pas GC. Ouais, le monteur est ouf, mais les clips sont pas ouf sans enfant. Ouais, c'est ça le truc. On en a parlé, hein, même avec l'équipe, peut-être recruter des dérocheurs, etc. J'ai l'impression que souvent, les clips qui sont pris, c'est quand il y a une react. Sauf que je fais très peu de react. Surtout, je fais le mec, quand l'action est folle, je fais no react. Tu vois, je suis en mode. C'est normal ce qui vient de se passer. Du coup, j'ai l'impression que des fois, genre dans le dérush, vu qu'il y a pas de son, c'est en mode ah oh, bon bah on prend pas, tu vois. Et du coup, c'est terrible parce qu'il y a plein de clips bien qui sont pas pris, il y a des clips beaucoup moins bien qui sont clips, et je suis en mode mais comment ça se fait, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi. Le montage est bien mieux que les clips. Et du coup, pour les montages, surtout quand c'est en mode frag movie, t'es en mode mais attends, mais rien que le live d'hier, il y a au moins 3-4 actions qui étaient mieux que ce qui est en train de passer dans le best-of et tu comprends pas trop, tu vois. Après attention, hein, je fais pas non plus des clips voilà. Et je sais que des fois il y a des clips vraiment vraiment cool et qui ne passent pas. Des fois ils sont montés bizarrement, ils sont cut bizarrement. C'est un best-of où j'ai pas pu checker malheureusement. Mais il y a un best-of qui est sorti où il y a du poker à un moment. Le clip est découpé bizarrement. Je crois que le clip c'était quand je devine la main de PA. Bizarre parce que quand il est passé sur Twitter, le clip était top, tu vois. Mais dans le GDoc, il l'était pas. Du coup, bah le monteur qui était pas présent sur ce live là, il a pas trop compris. Il a vu ce clip là, il a fait bon, je le mets, mais c'est un clip où je devine la main de PA. Je crois qu'il avait valet, roi valet, un truc comme ça. Et je crois que je lui dis PA, bon, allez, vas-y, passe ta roi valet, machin, etc. Du coup, tout le clip était tourné autour de ça. Sauf que dans le best-of, c'est un mode tu m'entends même pas dire qu'il a roi valet, tu vois juste se coucher, qu'on rigole et c'est tout. Du coup, c'est trop compliqué à comprendre. Tu leur dis pas des fois genre regarde ce clip ou celui ou c'est des monteurs qui disent tout. Non, jamais de ça, mais j'aime pas trop ce côté là. Moi des fois ça me gêne, justement des fois je vois les best of Twitch etc et je vois un mec qui je sais pas il met une balle de snipe, moi dans le clip quand il fait clipper ça t'entends que ça, moi ça me gêne au contraire, en fait pour moi ça gâche le clip, sinon t'attends. Mais c'est un peu bouffon. T'attends, t'es en mode. Qu'est-ce que combien de temps? 30 secondes. Vous avez clippé là le truc qu'on a fait à 30 secondes, les gars? Non, c'est bizarre, tu vois. En fait, ça doit être moi le problème, tu vois. Vu que je fais très peu de réactions, si en tant que dérocheur t'es pas à fond dans le live, bah tu vois pas forcément les bonnes actions. Par contre, oui, quand t'as une réaction, souvent elles sont clippées, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, par exemple, qu'il va y avoir un but sur Rocket League. Bon, à mon faible niveau, tu vois. Où j'ai marqué un but qui était vraiment pas mal, mais je fais pas de react. Soit je pense que c'est normal, soit dans ma tête, je suis en mode, ok,
faut faire le mec égo, faut pas react en mode c'est normal, ce but qu'on vient de mettre, alors que dans ta tête c'est la folie. Du coup, t'as pas de réaction, il y a des gens dans le chat qui disent un peu GG, tout ça, etc. L'action est bien, c'est peut-être un but justement qui passerait dans un condensé un peu en mode frag movie, enfin frag movie du coup, t'appelles ça comment pour Rocket League, je sais pas, mais. Et du coup, celui-là ne sera pas cliqué. Par contre, le côté où je vais mettre un but dégueulasse, j'ai eu full chat, mais du coup, là je suis giga expressif, je suis mort de rire parce qu'il y a eu un fail par-ci, par-là, etc. Là, ça va être clippé alors qu'il est beaucoup moins bien que l'autre, tu vois. Il faut juste des dérocheurs qui jouent pas à TFT pendant ton stream. Ouais, mais après, c'est compliqué. Là encore, tu vois, on fait des plus petites sessions de stream, mais ouais, quand tu fais 15 heures de stream, je sais pas combien ils sont dans les dérocheurs, ils sont quand même pas mal, tu vois, et c'est en fonction de qui est là. Du coup, il y a ce côté où tu peux pas tout voir, tu vois. Faudrait plus faire un truc communautaire où, genre, quand t'es sur Rocket League, je sais pas, peut-être qu'on mette une commande Nightbot en mode un mec qui connaît bien Rocket League, tu vois, qui clip ce clip-là et qui pense qu'il est bien et qui rentrerait bien dans un truc, tu vois. Du coup, quand t'es sur un autre jeu que cette personne comprend moins, c'est d'autres viewers qui eux sont intéressés par ce jeu et qui peuvent aider. Après, c'est un peu compliqué, c'est un taf, et en même temps, c'est pas vraiment un taf parce que c'est dur de rémunérer, enfin, tu vois, genre, c'est trop dur. Tu n'engages pas quelqu'un que tu payes pour être à fond et être pro là-dessus. C'est compliqué aussi. Déjà, faut que la personne connaisse tous les jeux, que la personne soit là à tous les lives, qu'importe tes sauts d'humeur. Si tu veux lancer des lives à 2h du mat, faut qu'il soit là. Faut pas qu'il ait prévu une soirée, faut pas qu'il soit un bon rythme. Enfin, tu peux pas. Avec cette commande, tu vas avoir full clip useless. C'est ce que j'ai pensé aussi, c'est pour ça qu'on l'a aussi pas fait. Sinon, il y aura un certain truc, tu vois, tu mets une certaine récompense à celui qui fait le clip le plus vu, etc. Mais du coup, ça clipperait tout et n'importe quoi. Tu dégages sur Rocket League, tu fais poteau, le mec il va clipper en mode oh, c'était presque dedans, presque beau. Ça va clipper à tire-larigot et du coup, ce serait très compliqué. Donc, ouais, dans tous les cas, c'est dur. Les musiques no copyright aussi, faut ban ça, des best-up, s'il te plaît. Musique copyright, tu parles? Parce que c'est que du copyright, hein, pratiquement. Quand vous entendez du gros Niska, les gars, je vous montre mon historique YouTube. Je crois que sur les 10 dernières vidéos, il y en a peut-être une qui est monétisée. Quoi. C'est pas un best-of, certainement pas un best-of. Bon, on verra, les gars, on verra comment ça se passe. On a dit qu'on irait pas sur un sujet parce que je sais qu'on va parler pendant longtemps. Bon, tu joues, là, t'arrives un peu tard. Et à demain pour du Rocket League et peut-être Warzone si la saison effectivement est cool et qu'il n'y a pas de cheater, on verra. Donc des bisous, bonne nuit à tous, bonne soirée et à demain. Tchuss.